Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec Flickr en sortie. Voilà, ici on est dans un cadre magnifique, on a beaucoup beaucoup de chance. Aujourd'hui on est le 15 avril, on est encore en plein confinement. Je vous ai un petit peu expliqué le contexte dans lequel on était dans la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Aujourd'hui je vous embarque avec moi dans un vlog, donc je vais en tous les cas filmer je pense pas mal ce matin des petites séquences pour vous embarquer en fait dans la création de mes formations en ligne que je vais bientôt publier sur delatruffeausabots.fr. Donc il y aura une formation en ligne gratuite sur le renforcement positif avec son animal, donc qui va parler du renforcement positif un petit peu dans la même idée que l'e-book qui est actuellement en ligne sur le site de la Truffe aux Sabots, que vous pouvez télécharger gratuitement, qui s'appelle, je crois, débuter le clicker training avec son cheval. Donc n'hésitez pas à aller voir, ce sera un petit peu dans cette idée là sauf que la formation que je vais vous proposer bientôt, donc l'e-book déjà risque de disparaître pour être remplacé par cette formation, et cette formation va parler du cheval et du chien, de l'animal en général en fait, ça peut concerner vos chiens, vos chevaux, mais aussi d'autres animaux. C'est un petit peu des notions, je veux dire des bases, voilà, des fondations nécessaires pour les prochaines formations que je vais proposer qui seront payantes. Donc j'utilise le renforcement positif, le clicker training, mais aussi le bon sens, le calme, voilà, toutes ces notions-là. Et je vais aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est renforcement positif, éducation positive, en vous parlant notamment de l'historique de renforcement qui est très important à savoir, et puis également les comportements, les chaînes de comportement. Je vais aussi vous parler du principe de Prémac, donc je vais un petit peu plus loin que ce qu'on pouvait trouver dans l'e-book. Concernant la formation, eh ben, en fait, elle va traiter du coup de l'anxiété. Donc je vais vous parler un petit peu de l'anxiété en général, pourquoi le chien est anxieux, quels sont les signes. Il y a en fait beaucoup beaucoup de signes d'anxiété qui peuvent témoigner d'un stress chronique chez le chien. C'est une anxiété, on ne le voit pas forcément facilement. Et puis après, je vais vous proposer des exercices très ciblés pour en fait instaurer le calme durablement avec votre chien, pour qu'au niveau de son état émotionnel, il se sente mieux. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de l'apaiser durablement grâce à des exercices ciblés. Et en fait, on va travailler sur son état émotionnel, sur son état de relaxation. Et ça va vous aider par la suite sur le terrain. Ça va vous donner des outils supplémentaires, mais ça va aussi, du coup, si vous faites ces exercices quotidiennement, instaurer un calme durable et du coup de travailler de manière plus efficace sur le terrain. Ça y est, nous sommes prêts à tourner les vidéos. Hop, ici, ma petite installation de fortune. Ça va très bien. Ce qui est délicat dans cette pièce, c'est le manque de recul. C'est une toute petite pièce. Mais bon, ça va. Vous remarquerez comme Flickr est super calme. Il attend. Et il y a les croquettes qui sont là. Et habituellement, en fait, il serait collé à moi, en train de me suivre partout, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros changement dans son comportement. Et c'est quelque chose dont je parle en vidéo, ça a été beaucoup évidemment amélioré grâce au travail du relax. Je vous remets la vidéo dans le petit i. Et puis évidemment tout le protocole en fait qui vise vraiment à apaiser le chien. On n'est vraiment pas sur de l'excitation, on est vraiment sur des exercices où on recherche un état émotionnel calme, où on cherche un chien apaisé qui n'émet pas de signaux de stress. Voilà, donc je parle beaucoup de ça aussi dans la formation. Et il y a beaucoup d'exemples en vidéo où on voit Flickr qui est en train de stresser dans l'entraînement, etc. Donc tout ça, c'est des petites choses que je vais aborder et je pense que ça peut être vraiment une formation du coup pertinente à ce niveau-là. Voilà, je voulais vous reparler des petites dalles. Donc là, on voit qu'elles sont un petit peu sales, mais elles se nettoient assez bien avec une serpillière. Voilà, donc j'en suis assez contente. C'est des dalles Décathlon, donc là vous voyez il y en a 20. Pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Ça permet de travailler sur une surface non glissante, donc le protocole que je vais faire ne demande pas beaucoup de mouvement de la part du chien, mais quand même ça permet qu'il glisse pas, il est plus confortable. Bref, moi en plus maintenant Flickr il a bientôt 10 ans et je veux vraiment le préserver physiquement. Et pour moi, maintenant, c'est devenu, suite à la classe que j'ai fait en ligne, la classe en ligne AREG avec Fanny Walter, vraiment, maintenant, je travaille Flickr vraiment sur des surfaces qui sont correctes. Je trouve ça hyper important. Donc ces dalles, elles sont pas chères. C'est 1 euro la dalle. Là, il y a 20 dalles. Donc pour l'ensemble, j'en ai pour 20 euros chez Decathlon. Donc c'est quand même super intéressant. Et l'autre petite chose dont je voulais vous parler, c'est cette marque. Je suis même pas allée voir leur site internet. C'est une marque que j'ai découvert à Intermarché, voilà,
Parce qu'en fait, je me retrouve... c'est un petit peu compliqué en ce moment pour... déjà, ici, je suis dans un appartement qui est tout petit. Donc, pour stocker des gros paquets de croquettes, voilà, on ne peut pas en stocker beaucoup. Et avec le confinement, le problème, c'est que nous, ici, on n'a pas de boîte aux lettres. On est en résidence, un petit peu de vacances. Mais voilà, on peut y louer pour plusieurs mois, comme on est en train de déménager. Voilà, c'est un logement temporaire de transition. Mais on n'a pas de boîte aux lettres. Voilà, la boîte aux lettres est chez la famille, notre courrier est redirigé. Mais du coup, avec le confinement, bref, c'est très compliqué. Et du coup, je peux pas trop me faire livrer des choses. J'ai testé de me faire livrer des trucs en poste restante. Mais là, mes colis sont perdus dans la nature pour le moment. Donc voilà, je galère. Et du coup, j'ai été obligée de me rabattre sur des croquettes, sur ce que je trouvais pour l'alimentation à Flickr. Parce que Flickr est aux croquettes sans céréales. Et du coup, j'ai trouvé cette marque qui est sans céréales et en fait qui propose plusieurs saveurs. Je trouvais ça super chouette. Et en plus, selon la saveur, donc, je ne sais même pas si c'est précisé sur le paquet, je pense que oui, mais la taille des croquettes varie. Donc là, par exemple, on a une taille de croquettes assez grande. Et après, celles qui sont à côté, qui sont au saumon, sont plus petites. Voilà, donc là, ça faut adapter, je pense. Voilà, c'est faut adapter la taille au type de chien, je sais pas trop. Non, c'est bizarre. Toujours utile qu'en fait, j'utilise ces croquettes en récompense. Je les trouve super parce que déjà, elles changent de goût, donc ça permet de varier, de pas lasser le chien, de tester ses goûts aussi. Hein, si votre chien est difficile au niveau de l'alimentation, bah c'est chouette de prendre des croquettes au poulet, au saumon et de faire des tests en lui proposant les deux, voir laquelle il va prendre en premier. Et puis voilà, pour l'entraînement, c'est pratique. Moi, c'est ce que je prends en balade maintenant, je m'embête plus. Ça va très bien. Hop, je suis sur mon site delatruffeausabots.fr. Je vous mets le, ouais, vous allez, je vous remets l'URL hein, de toute façon. Et en fait, actuellement, dans les derniers articles du blog, il y a un article qui s'appelle Chevaux à la maison sondage. Et en fait, je propose un sondage pour ceux qui ont leurs chevaux à la maison. Je pose plein de questions. Donc, si vous avez des chevaux à la maison, n'hésitez pas à y répondre. Ça met en moyenne 10 minutes pour y répondre. Voilà, je vous mets un petit peu toutes les questions. Et en fait, l'objectif à la fin, donc moi je fais ce formulaire parce que j'ai besoin de récolter des infos par rapport à ça. Parce que Mocha va bientôt être chez moi, donc quand j'aurai déménagé, voilà, il aura un autre compagnon avec lui, je sais pas encore qui, mais il sera pas tout seul en tous les cas. Et voilà, j'avais besoin de récolter des infos et j'ai eu beaucoup de difficultés sur internet en fait à trouver des renseignements par rapport à certaines choses. C'est pour ça que j'ai créé ce sondage. Donc là, on a déjà, je crois, alors attendez, on va regarder ensemble, mais il y a déjà pas mal de réponses, c'est vraiment top. On est à 79 réponses, donc c'est super. Et en fait, je vais publier l'étude. Enfin les résultats de ce sondage et je vais essayer d'en faire quelque chose de sympa, je vais faire des articles etc. Donc voilà, n'hésitez pas à y participer et puis ben, les résultats ce sera pour bientôt. Avec Flickr pour faire la fermeture de vlog et il me fait un joli relax. Je vous remets la vidéo dans le petit i et en barre d'infos, mais travaillez le relax avec votre chien, c'est tellement du bonheur après sur les chiens excités etc. Moi Flickr il a vraiment progressé. Avant il était en mode je me couche, en mode un peu stressé d'ailleurs. Je sais pas si on va le voir ou pas sur la vidéo, et là de plus en plus sur la vidéo du relax je parle, où j'étais vraiment au début de l'apprentissage, là vraiment je trouve qu'il commence à me le proposer dès que je m'arrête, à être beaucoup plus serein quand il le fait, à regarder tranquillement autour de lui, et c'est super agréable.
Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je pense que je vais continuer à travailler sur la formation, à regarder un petit peu les rushs, avancer un max. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !